Les 3 minutes que j'ai passé par terre. Ou l'ambulance s'avance pas, il se passe quoi dans ta tête? Tonton, qu'est-ce que tu fais? J'ai même hésité à réagir et faire quelque chose, je me suis dit non, bouge pas. J'ai rien pu faire en fait au final. Je me suis dit pour une première devant pas mal de monde, tout seul avec un micro, il y a plusieurs choses qui auraient pu arriver qui auraient été vraiment nulles, c'est que mon micro s'allume pas. Et que je me suis dit, c'est beaucoup relou un peu là. Que j'arrive pas à trouver mes mots, que je sois pas très crédible. Ou que vraiment, on me laisse en plein milieu. Donc en fait, là, le seul truc qui t'avait paraître, enfin, à mon moment de gêne, c'est pas de ta faute. Ouais. Thank you.
Comme vous l'avez vu, on a eu des petits soucis dans la préparation. Mais il faut savoir que rien ni personne n'empêchera la série de show. Thank you.
sud. Es-tu prêt? On va demander aux équipes de rejoindre, à la chapelle, de rejoindre le couloir ESF, de rejoindre son banc. On va passer à la présentation des équipes. Mesdames, est-ce que la tribune sud vous êtes chaud ce soir? C'est très timide, très timide. Est-ce que le virage de main vous êtes chaud ou pas? La tribune sud, il faut répondre, est-ce que vous êtes chaud ce soir?
tout en toucher. Il sort du tunnel sous un tonnerre d'applaudissements. Numéro 10, Lucas Brunet. Il est long, votre tour de contrôle, il aura pas sa place ce soir. L'entrée, numéro 32, Lilian. Il aura pas sa place ce soir. L'entrée, numéro 32, Lilian. On va faire sa présence. Mais il est dans ça pour un moment. Il est dans le tour. On a eu peur ce soir. Un moment de sa présence. Et évidemment, ce sera pour un moment. Il est de retour. Le patron de la défense, le chien de votre castel préféré. Et tout le monde est en deux. Thank you.
Là, c'est pas ce qui fait pas le bonheur, c'est pas le Ah!
le film Ask Anaïs Show. Alors, moi, c'est ça, garçon. Oui, ça, j'ai bravo aux organisateurs. Ouais, bravo, vraiment, c'était une soirée de dingue. Ça demande beaucoup de travail. Et franchement, même si la défaite est là, la victoire est dans notre cœur. C'est beau ce que tu dis. Je suis d'accord. Édition 2, c'est terminé. Merde. Bon, là, on est en train de ranger. Du coup, je vais arrêter de parler. Mais je sais pas. Mais débrief après là-haut. On a quand même demandé aux gens de voter. Attends, si. Et que les gens ils filment pour le reportage. Dans le chat. Et parce qu'il a vraiment beaucoup mal au pied. Si, si, ça marche. Ça marche. Deuxième step. Oui, c'est le monde du chêne. Merci, hop, nickel. Le mec fait genre qu'il est handicapé, il fraude la sécu, je travaille. Je suis genre pro, il goffe les dents, je fais du sport, je fais la signaux du sel, excusez-moi, j'ai... Oh. Bah oui. Mais gros, il vient d'en ouvrir un. Ouais. Il y a des gens, ils sont en date derrière moi, ils sont comme ça, c'est ça. Mais c'est ça, l'Ascanet Show, c'est ça. Je pense que je vais aller les voir. L'Ascanet Show, ça crée des. Oh ouais, putain, t'as roulé. Ils ont fait un carton, ce petit gobelet avec du riz dedans. Petit débrief du show, j'ai deux pieds, je suis content. Voilà, tout de suite. C'est vrai que tu l'as mis, toi. Tout de suite l'image, vas-y, fais-le encore. Tout de suite l'image de moi qui dingue. Merci. Tout de suite, en direct. J'arrive. Ça y est, allez, la seule tiens. Très très belle soirée. Il y a eu 17, si vous voyez cette vidéo, je vous remercie encore. Parce que c'était un super match. Nous, on a adoré supporter. Les organisateurs de la Scala Show, c'est un grand merci pour tout le monde. Franchement, super soirée, on a passé tous une super soirée de tout dérivé. C'est vrai, moi je tenais à dire, nous on est venus de loin. Et c'est on voulait remercier les joueurs. Nantes et la Vendée. Nantes et la Vendée. Merci à la Scala Show, c'était exceptionnel. Merci pour tout, pour les organisations. Et vivement l'année prochaine. Pour les joueurs. Vivement l'année prochaine, ça c'est merci mal. Les gars, malgré la défaite, on a kiffé. Malgré la défaite, on a kiffé. Et c'est... Ciao. Pensez du show. Merci pour toute la soirée. Quoi? Un complément d'enquête sur Reynold Dupont qui martyrise ses salariés. C'était bien. Je pense qu'on peut garder ce mot-là pour la fin. Une très bonne ambiance, un très bon match en plus. Très beau match, je suis assez d'accord avec toi. Là, tu vois, des gens qui sont allés voir. Virage sud bien meilleur. Virage sud bien meilleur. Je pense qu'il faut retenir. Elle est incroyable. Quoi? Elle est incroyable. Ah, merci Pierrot. T'étais pour qui Pierrot? C'est la question que je me suis posée un moment. Sur la chapelle. C'est bien. Notre... J'avais pas vu ta tête. Merci la scalette. Merci. Allez, prochaine. Alors vous en avez pensé quoi de cette soirée? Ouais. Il manque juste de la bière et du saucisson. Bah, il y avait vraiment, mec. Il y avait tout. Moi, tu t'habillais comme si t'allais au fête de Bayonne. Oh, bien vu ça. Parce que j'y vais tout le temps, tous les ans. Ouais, au-delà du saucisson et de la bière. Incroyable. Ah, okay. La bière, c'était là. Ok. Yanis c'était pardon. Bon, y a pas de soucis, tu peux être dans le cadre. Après, t'es dans le cadre, t'emmerdes pas. Là, t'es dans le cadre. Là, t'es plus dans le cadre. Non, mais l'ego du mec. Débrief de. Ah non, tu étais là tout le temps? Ah bah, moi j'ai pas vu grand chose. Parce que comme j'étais au ticket, mais c'était quand même un super show. Merci Vanessa. Hop, on est avec les joueurs. On est avec nous, on est avec les joueurs. On va sentir la transpiration des joueurs. J'adore ça, moi, enfin, ça. Sentez avec nous la respiration. La transpiration. Allez, c'est le début du match dans quelques minutes. Allez, on y va. C'est l'entrée des joueurs. Annie, allez, c'est l'entrée des joueurs. Là-dessus, c'est blindé. Voilà, ça, c'est des joueurs de basket. Non, c'est parce que vous croyez. Il y a une bouteille là-bas. Pourquoi je t'arrête demain? Oh my god! La soirée peut commencer. Allez. Merci Thierry! Merci Thierry! Merci! Merci Thierry! Merci Thierry! Merci! Merci Thierry! Merci Thierry! Merci Thierry!
Je vais jamais rentrer. Salut équipe, c'est Mathieu. Alors écoutez, je vous fais cette petite vidéo de fin d'Ascanet Show. Pour tout d'abord vous remercier en fait de votre présence, parce que ça nous a fait chaud au cœur. Le fait que vous soyez présents pour nous encourager. Et du coup, on va aussi remercier Victor qui lui derrière fournit un travail énorme sur le montage. En quelques semaines, il va vous sortir un résultat très qualitatif. Donc j'aimerais qu'on le remercie énormément dans les commentaires. On est youtubeurs ici, tout pour la money. Et aussi, n'oubliez pas, dans la Ascanet Show 1, Carville, à la fin, vous avez fait passer un petit message de venir dans mes DM Insta, m'envoyer des messages parce que j'étais célib, ça n'a pas changé. Donc écoutez, moi c'est ciao et merci. Chaud l'année dernière, de voir que ça part de l'idée quand même de deux mecs, pas forcément plus intelligents que la moyenne, loin de là, qui présentent ça à leurs potes, eux non plus, pas forcément intelligents, qui disent oui tout de suite, directement, bien sûr. C'est surtout grâce à des mecs en fait qui ont vraiment été super, donc qui sont vraiment... Lucas Dumont, Victor Fanto, voilà, qui m'ont, bah, sans eux je serais rien en fait, je pense globalement dans le show business, dans le monde de la lumière et de la technique, parce que voilà, ils m'ont donné une place à la régie, après j'ai pu faire Avatar, enfin je veux dire c'est des choses qui, tout s'est enchaîné très vite, hein. Là-dessus ça a été vraiment assez fou, donc je pense que je ne les remercierai jamais assez. J'ai même, d'ailleurs je vous donne l'info, j'ai même fait une demande d'adoption auprès de la mairie pour Victor soit mon père, parce que c'est vrai que je suis fan de ce mec et on croise les doigts. J'espère que ça nous mettra la lumière sur les clubs amateurs, sur l'ASCA, c'était aussi ça le but. Voilà, et puis on verra si on se retrouve l'année prochaine pour un ASCA Night Show 3. La vidéo de fin du film de sur l'ASCA Night Show. Je remercie tout le monde pour cette soirée incroyable. Du début à la fin, c'était incroyable et surtout que du love. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine. Ciao, ciao! C'est la fin de ce magnifique documentaire sur la Ascanet Show. Déjà merci à Victor d'avoir réalisé ce film. On espère à toutes Ascaliens et Ascaliennes que la soirée vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous en retenez du positif. Pour nous c'était vraiment... Alors on s'imaginait pas que ça allait prendre autant d'ampleur en fait ce qu'on a fait. Donc voilà, on est très fiers du club, de la soirée qu'on a réussi à proposer. Et puis merci à vous, peut-être l'année prochaine, peut-être pas, on verra. C'est vrai que cette année ça nous a pris beaucoup de temps, donc on verra si l'année prochaine il y a encore une soirée de ce type. En tout cas nous on l'espère, j'espère que vous aussi. Et juste merci quoi, merci à tous, merci au club, merci aux supporters. Et comme dirait un de nos joueurs qui est parti en Nouvelle-Zélande, c'est ciao. Ça y est, après des heures et des heures et des jours de montage, cette séquence est la dernière du film reportage sur l'Ascanet Show 2023. On tire un trait sur cette édition, même si ça restera toujours dans un petit coin de notre tête. J'espère que vous avez apprécié ce documentaire autant que moi j'ai pu apprécier faire le montage et revisionner tous les rushs qu'on a fait. J'espère que vous avez également apprécié la soirée autant que nous on a apprécié l'organiser du début de la préparation qui date d'il y a maintenant plusieurs mois jusqu'au show final. En tout cas c'était un bonheur absolu. Beaucoup de choses à dire, ça va prendre un petit peu de temps, donc si vous voulez quitter la vidéo maintenant il n'y a pas de souci, mais il faut que je les dise quand même. Je pense pas qu'aujourd'hui il y ait énormément de clubs amateurs, voire quasiment aucun, qui nous aurait laissé autant de liberté pour cette soirée et même au quotidien pour ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'avec Lucas, quand on s'est pointé dans le bureau il y a plus d'un an et demi déjà, avec ce projet d'Ascanet Show, sans avoir réellement de projet concret, de personnes à disposition, de matériel, un projet qui paraissait un peu fou, on nous a tout de suite dit oui. Et c'est bien la preuve qu'en laissant la chance à des personnes qui sont motivées et passionnées, eh bien on peut arriver à des résultats qui sont fabuleux si on s'engage à fond dans ce projet, et c'est ce qu'on a fait. Jamais on se serait dit quand on a lancé cette première édition de l'Ascanet Show qu'on arriverait à un tel résultat dès l'année d'après.
pour Lucas et moi, c'est une certaine émotion parce que c'est un peu notre petit bébé et le voir évoluer comme ça, on n'y aurait jamais cru et c'est grâce à vous en partie, c'est grâce au club. Donc c'est bien la preuve qu'il faut toujours croire en ses projets et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est de toujours croire en ses projets. Même si on vous ferme la porte dans un premier temps, il faut toujours essayer de passer par la porte de derrière. La seule chose à faire, c'est de se donner à fond dans ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Et je vous jure que si vous faites ça, vous obtiendrez forcément des résultats. Donc ça, c'est vraiment le message à retenir. Je sais pas où on sera dans 6 mois ou un an, parce que nous aussi on grandit, on évolue et on sait jamais de quoi demain est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que à titre personnel, ce qui s'est passé à cette oreille, moi ce que je vis depuis plusieurs mois avec le club, ça restera toujours dans une partie de ma tête, ça m'a fait évoluer, ça sera toujours une partie de moi. Et j'espère, ma plus grande victoire, ce serait qu'on ait pu, entre guillemets, motiver, inspirer des gens à reprendre la suite plus tard, quand nous on sera plus vieux. Parce que nous, si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a été inspiré par des personnes quand nous, on était plus petits au club. Et c'est ça le plus important, c'est de passer le témoin et le partage de ce sentiment d'appartenance. Sachez que ce qu'on vit, c'est un truc de fou. C'est vraiment un kiff énorme et je sais pas combien de temps ça va durer encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut profiter de l'instant présent et tout simplement se dire qu'on l'aura vécu. Et voilà. Que dire à part que je vous aime et prenez soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt peut-être, je sais pas. Prenez soin de vous surtout. Bisous.